Le pouvoir magique qui est en vous. Comment ça marche? Aujourd'hui, je vais vous parler de vous et surtout de votre pouvoir magique incommensurable qui s'établit au plus profond de votre être et dont vous ignorez le mécanisme. Sachez que bien souvent, ce pouvoir en vous qui est réalisateur de votre succès, tout comme de vos échecs, c'est le fameux pouvoir de l'intention. Comment créer? Comment créez-vous votre propre échec? Les échecs sont bien souvent incompris et ils nous poussent à nous tourner à juste titre vers l'extérieur. Les voyants, les médiums, les cartomanciens traditionnels ou des guides spirituels comme les coachs de vie. Ou à pointer du doigt les autres. C'est de ta faute. Là où il n'a pas de bien agi, etc. C'est donc par incompréhension du phénomène et par méconnaissance de la maîtrise de votre pouvoir magique, dit aussi pouvoir personnel, ou de l'intention mal orientée, bien sûr, que vous provoquez vos propres échecs. Comment créer vos propres réussites? Reconnaître ce pouvoir, votre pouvoir, le comprendre, puis apprendre à le dompter. Développer votre capacité à créer votre propre réussite. C'est la promesse d'un avenir radieux rempli d'amour avec les êtres aimés, de joie, de succès, de bonheur en toutes choses. La force réalisatrice dont nous débattons ces derniers temps dans les cercles des initiés permet aujourd'hui de confirmer qu'il existe bel et bien une force énergétique dit créatrice qui permet de diriger notre vie, ce que l'on nomme aussi notre destinée ou chemin de vie. En effet, grâce à notre subconscient, nous pouvons améliorer notre vie quotidienne grâce aux énergies que nous envoyons et que nous recevons. Plutôt que nous choisissons de percevoir. Quand je dis énergie, je parle en réalité de toutes les émotions qui nous habitent. La joie, la tristesse, la peur. Pour exister, ces émotions ont besoin d'un émetteur et d'un récepteur. Elles effectuent donc un trajet d'un point A à un point B. Nommons ce trajet la matrice énergétique. Aujourd'hui, tout est question d'énergie. La pensée est une énergie. Les mots sont énergie. Les émotions sont énergie. Et notre corps aussi. En résumé, pour créer sa propre réussite, il suffit d'orienter ses énergies vers le meilleur trajet et de nourrir cette matrice énergétique, vue ici comme un chemin de pensée et d'émotions positives. Les voyants, les médiums, aident à cela, puisqu'ils lisent, grâce à leurs outils, qu'ils soient matériels ou intuitifs, vos énergies. Si elles sont mal dirigées, ils vous aident à rectifier ce tir. C'est en cela que les voyants et les médiums sont bénéfiques pour vous. Comment maîtriser sa propre énergie créatrice? Contrôlez vos énergies en créant tant que possible l'harmonie entre elles. Voilà le secret. D'ailleurs, grâce à des pensées et des émotions et des actions positives, aussi bien que pour vous que pour les autres, vous transformez, vous évoluez au quotidien par le simple fait de nourrir cette matrice énergétique de façon positive. Comme ça, vous pouvez
maîtriser votre propre énergie créatrice. Ok, mais alors, comment cela se passe-t-il concrètement? Une des premières manifestations de cette transformation que toute cette énergie se produira donc, dans votre les personnes qui vous entourent. Celle-ci va renvoyer extérieurement l'image de la personne que vous êtes véritablement intérieurement. Vous diffusez ainsi l'harmonie entre votre moi intérieur et votre moi extérieur.